Donc salut les gens de COMB, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme d'habitude, on se retrouve pour la découverte d'un nouveau jeu sur Nintendo Switch. Il s'agit de Neoverse Trinity Edition. Alors c'est apparemment, donc c'est, ça combine du roguelike, de la construction de deck et de la stratégie. Il y a beaucoup de choses, donc on va surtout voir ce que ça donne et on va le découvrir ensemble. Voilà, moi j'adore découvrir des choses, de nouveaux jeux. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne pour ce Neoverse. Qui apparemment est déjà sorti sur PC. 70 types de monstres, 3 personnages, 300 cartes, 100 compétences. Ça a l'air stylé comme univers. Ok, donc on est passé d'un truc hyper... C'est stylé. La séquence d'intro est bête, hein. Attends, mais où est-ce qu'ils ont mis un jeu de cartes là-dedans? Je comprends pas. Ok, je suis perdu sur l'ensemble des propositions du jeu. Je sais pas à quoi m'attendre. Ah oui, du coup j'ai des différents decks qui sont possibles. Prêtre, vampire, hybride, compromis, consécration. Ah tu vois, regarde, récupérer un PV. On va faire celui-là. On va faire en hybride avec récupérer un PV pour voir. Ok, on va essayer pour voir. Vas-y, go faire ça avec elle. On va tester. On a 5 combats avant le premier boss. On va essayer avec elle. Allez, vas-y. Bon, on se met un bouclier. On commence avec ça, parce que tout à l'heure, on connaissait pas le truc. Ok, 3. On va se remettre un bouclier. Et on attaque. Ok, c'est parti. Vas-y, on bloque. On est bon. Boum. Consécration, récupère un PV, gagne 5. Vas-y. Par contre, en termes d'attaque, on n'est pas ouf, hein, j'ai l'impression. Ça va être notre problème, en fait. Ouais. Ok, ça c'est fait. On est tranquille. Classique. Classique. Infliger 2 de dégâts, hein, prendre ça. Ok, allez, combat suivant. On va faire des combats normaux, au moins, pour voir sur le départ. Et au pire... Enfin, au mieux, on arrivera au boss avec des choses pas trop dégueulasses. Alors déjà, on va commencer par le bouclier. On en met 3. Enfin, les 4. Et on enchaîne avec infliger 2 de dégâts si vous avez de la foi plus 1 de mana. Ouais. Boum. Ok. Et attaque. Ok, en fonction abyssale. En fait, les techniques de combat, en bas de l'écran, c'est en fonction des cartes que j'utilise. Ça fait des combos spéciaux. Donc là je fais ça. Là j'ai une deuxième bleue. Là il faut que je fasse une rouge. Et après une violette pour voir. C'est ça. Et du coup ça me fait un combo en plus. C'est excellent. Ok, est-ce que je comprends au fur et à mesure en fait. Ok.
C'est hyper intéressant le coup des combos en bas de l'écran. Je comprends au fur et à mesure. BV. Attaque. Oh, c'est hyper intéressant. Ça, je prends une nouvelle carte. 7 de dégâts. La vache. Ah, évidemment, je prends ça. Évidemment. Combat d'élite ou pas? Conserver vos PV de départ et remporter le combat une fois. Ah. Non, récupérer. Pff, on va faire ça. On va faire les combats normaux. On va faire les combats normaux pour débuter. On va essayer d'aller battre le boss pour terminer la vidéo. Frappe sacrée, affligée 7 de dégâts. Évidemment. Attends, je vais prendre ça, je prends ça également, et voilà. Vas-y, on récupérera de la santé après. C'est cool d'avoir des personnages totalement différents. Ok, on va faire ça. Ok, donc on a deux fois en plus. Ça c'est bon. Et là je peux encore en faire un. J'avais pas de bouclier. Boum. Et on le termine avec ça. Ok. Parfait. On est classique. Piocher 4 cartes. Ouais, je prends ça. Ok, je peux m'ajouter des points de compétence peut-être. J'en suis où? J'en ai 6. Donc on prend ça. Ça, ok, qu'est-ce qu'on a débloqué? Magasin de données propose à 2 cartes déjà évoluées et 5 cartes constantes au début de chaque combat. Ok. 1, plus un bouclier, combat normal. On aura un bouclier de plus au début du combat, ça peut être pas mal. Bon, le bouclier, évidemment, pour débuter. Frappe sacrée. Boum. Je m'en remets un bouclier. Encore un. C'est parti. Allez, avec 6 de bouclier, on devrait pouvoir parer la majorité de leurs trucs. Je récupère ma santé et visuellement c'est très propre en plus. C'est très chouette. Hein. On va acheter une carte au prochain tour. Quand on les aura battus eux. On va essayer d'en acheter une sympa. Ah, prière de l'aube, tiens, regarde, remplacer mes cartes. Ouah, la vache, la parade déclenchée, on lui a fait mal. Ok, ça c'est bon. Ensuite, conséquation, je récupère. Boum. Ok. Merde, j'ai pas mis de bouclier, j'en ai que 2. Ah si, c'est bon. Et ben on est bon. Voilà. Et plus qu'il y a une, et on est bon. Ok, parfait. Bon. Je récupère tout ça. Gagne punition pour chaque tour. Infliger 3 dégâts. Récupérer des PV. On est bon. Alors, attendez. Donc ça, c'est les missions qu'on a faites. Donc je peux réclamer mes points de compétence et mes boucliers et tous mes trucs. Ah oui, je peux gérer en fait. Quand est-ce que je le réclame? C'est pas mal. Est-ce qu'on achète quelque chose? Gagnez 10 d'armure lorsque vous donnez notre âme mourant. Boîte de Pandore, non. Infliger 5 dégâts, ajoute 2 de crédibilité à votre cache. Je prends, j'achète. Redonne ma marchandise, on va essayer pour voir. Parce que j'ai le droit de le faire une fois. Ah, double attaque. Et on est bon. Aperçu de la carte évoluée. D'accord. Et je vais avoir des points de compétence, j'en ai combien? J'en ai 4, donc je peux. 7 PM max, on vous achète cette compétence. Et bah évidemment. Et combat de boss. Déclencher un combo 5 fois. Allez, vas-y, on y va. Allez, cette fois-ci, combat de boss. Cette fois-ci, on le défonce. On s'est fait avoir tout à l'heure, pas cette fois-ci. Allez, consécration. Bouclier. Double attaque. Boum. Parfait. Ensuite. Boum. Et on prend un bouclier. Allez, c'est parti.
Ok, 3. Ok, bon. Chuchotement du diable. Oui. On va se reprendre des boucliers quand même. Et on le termine. Allez, le premier c'est fait. Avec 6 d'armure, on devrait être... Oh punaise, il nous enlève 8. Ok, attends, bouclier. Réponse de Dieu, c'est que gagne 10 d'armure. Évidemment. Évidemment. Double attaque. Ok. Il donnerait tout notre bouclier, quoi. Ok, boum. Concentration. Et encore une attaque, double attaque. Boum! Le combo qui fait du bien. Ok, allez. Oh les vaches! Ils font mal eux! Attends. Confirmer la carte. Réponse de Dieu, évidemment. Merde, j'ai pas de... Vas-y, je prends ça, tant pis. Pas le choix. J'ai pas le choix. Alors, la 16 d'armure, normalement. Ok. Bon. Allez, on active ça. Ok, le combo. Par contre... Normalement, ça devrait le faire, hein. Normalement, ça devrait le faire. Tout se passe bien pour l'instant. Allez, ça dégage. Frappe sacrée. Boum. Boum. Par contre, il prend pas grand-chose en dégâts en passant. Ah putain, il a le vampirisme, évidemment. Je vais me blinder là-dessus. Double attaque. Ok. Je suis pas viable, on est bon. Boum. Le boss il est blindasse en face, hein, de ouf. Hein. Oh là là. C'est quoi mon deuxième bonus là? Attends, c'est quoi ça? Remporter bataille sans perte de PV, bah laisse tomber. Putain, elle m'a supprimé plein de trucs, hein. C'est un délire. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Tu vas crever en face, oui? Salut à toi, bienvenue. J'arrive pas à lui enlever sa santé, c'est un délire. C'est un délire. Récupérer des PV égaux à votre foi. On n'a aucune foi, c'est pas la peine. Et n'empêche que je trouve le principe assez intéressant. Un mélange de roguelike et de jeu de cartes. Un petit peu comme Slay the Spire, ouais, un petit peu. Mais c'est amusant cette espèce d'onglet magasin et compétences auxquelles on a accès en même temps. On devrait finir par l'avoir, non? Et pareil pour les techniques de combat en bas de l'écran, pour quand vous utilisez les bonnes cartes dans le bon ordre, ça vous déclenche un combo assez intéressant. On est à combien? 7 de points de vie.
Oui, parce qu'on a des dégâts doublés quand on fait certaines techniques de combat. Allez, voilà. Ça, c'est fait. Merci le boss. Salut, trophée acquis. Ça me va très bien. Ok. Objet récupéré 10 PV. Enfin, on a un objet. Enfin. C'est la question qu'on se posait tout à l'heure, hein. La vache. Alors, infliger des dégâts à tous les ennemis lorsque vous obtenez de la foi. Ah, remplis votre carte de légendaire créée aléatoirement. Je prends ça. On va tester ça. Allez. Et on passe du coup au niveau d'après. Vas-y, go continuer jusqu'à ce qu'on meure. Tant qu'à faire. Attends, du coup la notre mission, ça donne quoi? Faites évoluer toutes les cartes actuelles de type attaque. Évidemment. Oh la classe. C'est cool le coup des évolutions des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le magasin? Attends, déjà, on a des points de compétence ou pas? On a 5 points de compétence. On peut pas l'acheter pour l'instant. Mais, on a pas mal d'argent. Bah, attends, on va acheter 2 points de compétence déjà. On va déverrouiller ça. Voilà. Merci, Alexius. Alexius Masudor qui a offert 5 subs. Merci énormément. À Interander, à Docteur, à Sac, à Mini et à Lagardra, merci. Merci de ta générosité, c'est super gentil. Merci beaucoup à toi. Encore une fois, merci. À chaque fois, tu rites sur le bouton. T'es la mort. Prière de l'eau, 4 cartes à votre main. Infliger 13 de dégâts. La vache. Ah, je prends 13 de dégâts. Attends, c'est ouf. On essaye un petit combat d'élite ou pas? Vas-y, on va se faire un petit combat d'élite. On va voir. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah! Ah, est-ce que c'était une bonne idée, finalement? Je suis pas sûr. Attends. 15, 13 de dégâts, regarde. Ça fait vachement du bien, quand même. Ah, on a des bonnes cartes. On a des très bonnes cartes. Tiens, regarde. Remplissez votre carte de... Non, voilà. Ah, on a des super bonnes cartes. Et on a maximisé notre défense de ouf. Alors, achevez 3 achats dans le magasin de données. On va faire 3 petits achats dans le magasin de données, hein, si tu veux. Hein. Regarde, un objet, une grenade. On va acheter une grenade. Ah merde, on avait un maximum d'objets. Attends, qu'est-ce qu'on a? Force, on va l'utiliser. Attends. On va utiliser la force déjà. Voilà. Des dégâts persans, on va l'utiliser aussi. Attends. Ok. Alors, on va acheter la grenade. On va acheter ça, le tir d'élite. On va utiliser la grenade, du coup, 8 points de dégâts vers les deux, plus le tir d'élite vers lui. Ok, ça c'est fait. Ok, bouclier. À 5 points de dégâts et récupérer des PV égaux à votre foi. Là, je suis maximum de PV, donc ça sert à rien. Allez, ça c'est bon. Et on enchaîne avec... Vas-y. Allez. Ok. Donc j'ai 2 de foi pour l'instant. Ah, attendez, préparer. Frappe sacrée. Prière de l'eau pour récupérer un peu de PV. Une carte à ajouter, pèlerinage. On va essayer pèlerinage pour voir. Oh la vache, les cartes de ouf. Ah mais non, je peux pas l'utiliser. Cette fois, il faut l'utiliser en première main. Oh là là, la vache, les cartes d'élite. Oh là là. Merci Lexu. Ouais, n'hésitez pas, il y a des emojis spéciaux quand vous êtes sub, qui sont des emojis que j'ai commandés auprès d'une artiste d'ailleurs. Donc j'espère qu'ils vous plairont pour ceux qui sont devenus membres sub. Merci beaucoup. N'oubliez pas de remercier Lexu Masudor, ceux qui sont devenus membres sub, hein, surtout. Frappe sacrée, ok. Vas-y, 0 shot incroyable. Et un petit bouclier pour faire le combo. Et on passe. C'est quoi, je vais utiliser mon kit médical. Hein.
Ah, tronçonneuse, vas-y, go. Ok. Deux dégâts lorsque le terme empirique additionnel affiche un dégât. Ouais, c'est pas vampirique pour l'instant. Et bah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis attendu bien évidemment, ça fait de ouf. Frappe sacrée, c'est 9. Ok. Et évolution instantanée. Évoluez les cartes actuellement dans votre main jusqu'à la fin du combat. Vas-y, tant qu'à faire. Ok. Je garderai l'état vampirique pour lui récupérer des PV. Boum. Allez, redonne-moi ma santé, s'il te plaît. Boum. Et on le termine avec celui-là. Boum. Et bah, le combat d'élite, finalement, il était pas si compliqué. À partir du moment où t'as compris comment ça fonctionne, du coup, une carte à deux, hein, réduit à 0. Les ennemis perdent tous leurs bonus, récupérer 2 PV. On va prendre ça. On sera mieux avec 2 PV supplémentaires. PV max plus 10%. Yes. Allez. Stylé. Alors. Allez, on va voir les cartes légendaires qu'on va obtenir. Bouclier épineux. Ok. Bénir. Évolue toutes les cartes jusqu'à la fin du combat. Vas-y, go faire ça. Go faire ça et on fait rien à ce tour là. Ok. C'est quoi ça? Attaque diminue de 50%, diminue à la fin du tour. Ok. Vas-y, je l'enchaîne. De toute façon, on avait le malus. Encore ? Mais faut arrêter avec ces malus, monsieur. Faut arrêter avec ça. Hein. C'est de la merde. Vas-y, récupère la santé. Remplis votre main de cartes aléatoires. En légendaire. 8 de dégâts de perçant. Recevez 20 d'or si cette attaque tue un ennemi. Ah bah là, on sera pas possible. Hein. 25 dégâts à tout le monde dans le combat. Oh, j'ai envie de le faire. Vas-y, juste pour le kiff. Mais cette carte, elle est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette carte, s'il te plaît? Salut à ceux qui débarquent, bienvenue. Mais 25 de dégâts à tout le monde. C'est ouf. Ça n'a aucun sens. Par contre, on a perdu masse de PV à faire cette bêtise. C'est de ma faute, hein, c'est de ma faute. Allez, on va faire ça parce que il faut qu'on récupère de la vie en fait sur ce combat-là. Parce que je crois qu'on est à. On a le boss qui va arriver dans pas longtemps. 13 de dégâts. Vas-y. Vas-y, je me blinde en bouclier et on attaque. C'est quoi comme jeu? C'est un jeu de cartes mélangeant roguelike et stratégie. Qui est très sympa. Par contre, il faut tellement que je récupère de la santé. Parce que sinon, c'est un peu la merde. 1 PV, 2 PV. On va faire ça. 2 PV aussi. Ah, j'aurais peut-être pas dû gérer comme ça. Parce que s'ils m'attaquent tous les deux, au final, je vais en perdre plus. Et ouais, j'étais sûr. Ah, c'est... Alors, attends. Par contre, on va aller voir un truc. Attends. Ok, des dégâts à tous les états vampiriques. Alors, magasin de données, j'ai pas des. Et je vais faire ça, écoute. Ah! Je préfère me blinder pour l'instant. C'est quoi, je me blinde à ce tour-là et on verra plus tard. Voilà, au moins on s'est blindé. Je prends. Et frappe sacrée, je peux pas. Allez, vas-y. Ah, j'aurais pu en refaire un, zut. J'ai pas géré.
Ok. Ok, nickel. C'est quoi celui-là? L'armure obtenue des cartes de défense réduit de 50%. Ouais, c'est pas grave, je vais prendre de la santé. Il faut que je récupère de la santé. 9 de dégâts. Ok, et je vais le terminer avec 5. Ok, parfait. On termine. Le problème, c'est que j'ai vraiment plus de santé et ça m'embête. De dégâts. Boum. Vas-y, tu enchaînes. Salut, Saku. Allez, double attaque. Voilà, ça dégage. Merci, salut. Par contre, j'ai, en termes de santé, on va arriver sur le boss. On va être un peu... on va être un peu charrette. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le coup d'une carte, ouais. Combat d'élite. Retirer une carte, objet module énergétique. Non, non, combat normal, combat normal. Combat normal parce que sinon. Sinon, ça va être une galère. Ok, je fais ça. 5 d'armure, 4 d'armure. Et je fais ça. Allez, parfait. Ça me paraît bien. On a récupéré pas mal de vie. Ok, par contre, il faut que je le bute dans les 4 tours parce que sinon, ça va être une galère. Ok. Je vais me faire enchaîner. J'étais sûr. C'était évident. Allez, salut mon cochon. Allez, dégage. Salut. 5 de dégâts. Et vas-y, enchaîne-le. Attends. 5 de dégâts, 5 de dégâts et PV à votre foi. Ouais, merci bien. Aïe. Alors on fait moins d'attaque, donc on va faire ça. On va récupérer de la santé. Elle a 34 de santé, elle est derrière ma caméra, mais elle a 34 en fait. 5 de dégâts et récupérer de la foi. Merde. Boum! Allez, merci, salut. Boum. Ok. Ah, j'ai fait pas mal de missions là. Je pourrais revendiquer, faire évoluer une carte. Merde. Parce qu'en fait, j'ai 3 récompenses disponibles. Genre, faire évoluer une carte. Je pourrais faire ça à la fin de la mission. Double attaque. Frappe sacrée, ça fait 9. Et ça dégage. Ok. Donc ça, c'est fait. On récupère tout ça, c'est quoi ça? Mélange maintenant les cartes de la pile. Et... Ah, bien ça. Bon, on va voir. Combat du boss. On arrive sur le combat de boss, mais on peut faire évoluer une carte, déjà. On va faire évoluer cette carte-là, le souffle vital, hein, pour redonner plus de santé. Voilà, hop là, ça, ça évolue. Nickel. Merci bien. 5 d'armure au début d'un combat. Je réclame. Parce qu'on va en avoir besoin. Plus 3 points de compétence, je réclame. Et on va voir. On a 6 points de compétence. État vampirique. Gagner 2 d'armure au début du combat. Évidemment. 20 d'or à la fin de chaque combat, on verra après, jeu de hasard. Gagner 7 ou 1 point de compétence lors de l'achat de cette compétence. Bah c'était 1 point. Dommage. Nouvel arrivage. Bah dommage. Et contrebande réduit le coût des objets de magasin donné à 0. Ah ouais. Sérieux? Ok. Ok. Allez, on part sur le boss. Recevez une de 3 cartes instantanées communes. 5 cartes qui va faire 2 plus de mana. Ah, 3 points de force. Allez, celui-là.
Allez, c'est parti, deuxième boss. On enchaîne sur le deuxième boss du jeu. Boum. De la fois de début du tour. Hop là, merci bien. Et on attaque. Et il y a 100. La vache, il a 100 points de vie. Le gars, t'abuses aussi. Oh merde. Vas-y, viens là. Vas-y, viens là, regarde. Allez, bouffe ça. Tiens, cadeau, ça me fait plaisir. Ça, ça me fait plaisir, mon gars, moins 10. Je récupère de la vie. Et je mets un bouclier. Aïe, aïe, aïe. Il faut vachement mal quand même. Mais jusqu'où va-t-on aller? Telle est la question. Allez, ça sera pour jusqu'à la fin du combat en plus. A chaque fois que je récupère de la foi, il perd un point de vie. Oh la vache, 13 points de dégâts il fait. Je douille. Tiens. Ok. 10 points de dégâts. Ah merde, il a une grosse défense, j'avais pas vu. Oh la vache. Bon, attends, je vais me blinder en bouclier alors. Je peux pas le toucher, je peux pas le toucher pour l'instant. Ah, je... Oh la vache, mais attends, il va faire. Oh là là, ça va douiller. Et je sais, je sais. Aïe aïe aïe. Oui, chaque fois que je récupère de la foi. Attends, réponse de Dieu, récupérer 10 PV. Ah, je peux rien faire, je peux rien faire. Ok, ça c'est cool. ça lui fait rien. Réponse de Dieu, je reprends. Oh la vache. Ah. Allez, salut. Merci, goodbye. Allez, vas-y. Il reste plus que... Il a 27 quoi? 32? Mais quoi? Mais pardon? Mais d'où? Mais quoi? Mais pourquoi? Mais c'est autorisé ça? Mais quoi? Mais dans quel monde? Mais ça n'existe pas ça. Le gars il a 32 points de défense. Et à chaque fois qu'il m'attaque il en récupère. Je sais pas ce que j'ai en objet. Ouais, c'est une attente, regarde, j'ai quoi? Bah mais non, attaque diminuée de 50%. Et ça sert à rien ça. Mais je vais l'utiliser quand même mais... Ah c'est pour réduire à 0, bon, laisse tomber. Ah, tenir est avant pied. Tu sais quoi, je vais le faire quand même. On va le faire quand même. Pour moi ça me fait récupérer de la santé en même temps. Il a 32 points de vie lui. Je sais qu'il est derrière ma caméra, je sais, je sais. Il a 32 points de vie. Lui. Il en a 32, mais il lui en reste 31, mais il a 6. Il a 6 de bouclier. Par contre je peux rien faire, c'est ça qui est terrible. Ah, parfait. Ok, 30 points de vie. Ok, 25 points de vie.
En fait, à chaque fois qu'il m'attaque, il récupère de la santé. Ça va faire, c'est bon. On est bon. Il lui reste 9 points, 7 points. Que j'avais un bouclier. Allez. Il lui reste 2 points. Et c'est fini. Le boss est battu. Allez, nouveau trophée acquis. Allez, je récupère tout ça. Ajoute 2 cartes, nouvelle carte. Alors. Carte constante, plus 2 punitions dès que vous jouez une carte défense. Plus 4 états vampiriques, plus 4 de foi. Je prends ça. Parce qu'en fait, c'est vachement pratique. Allez, on part vers le troisième boss. On continue tant qu'on y arrive. On continue jusqu'à ce qu'on décède. Récupérer 30% des PV max. Quasi toutes les cartes basiques par des cartes d'attaque du chasseur. Go. Il est très agréable ce jeu. J'aime beaucoup. Alors, infligez 1 point de dégâts à chaque fois que vous avez récupéré la foi, évidemment. Si vous avez de la foi au début du tour, j'en ai pas. D'accord. Ah voilà, générosité. Je prends. Chuchotement du diable 0. Boum. Et un petit bouclier pour la route. Ok. Ah, ça lui fait mal en plus par contre. Les ennemis sont vraiment de plus en plus puissants. Plus t'avances dans le jeu, plus c'est blindasse. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ah, si tu perds, tu recommences au début, mais tu peux acheter des cartes différentes et t'as des bonus différents aussi. Ça sert à rien ce que je vais faire. C'est un roguelike, donc en fait tu recommences au début avec des trucs en plus. Ok, j'ai mon état vampirique en plus là. Donc ça va me permettre de récupérer de la vie en les attaquant. Boum, boum. Allez, ça c'est bon. C'est quelle carte? Frappe sacrée. Attends. Ok, et... Allez, j'ai plus rien. Ok, il a un point de vie lui. Ça devrait le faire merde. Allez, salut. Ok, on a pas mal de thunes en plus. Hein. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Ah, je peux renouveler le magasin. On va le faire. Attends, on va renouveler le magasin pour 50 pièces. Ah oui, d'accord. Oh, c'est stylé ça. Ah, je peux pas, j'ai pas... Oh non! Elle coûtait cher la carte qu'on vient d'acheter? Putain, je crois qu'elle coûtait hyper cher. Ouais, je crois qu'elle coûtait assez cher. Ok. Bon bah go l'enchaîner, hein. Attends, on va faire ça. Go l'enchaîner. Tiens voilà, c'est ça que je voulais. Excellent. Et c'est fini. Ok. Inflige 4 dégâts à tous les ennemis, plus 2 fois, évidemment. Alors par contre, attends, mission achevée, qu'est-ce qu'on a? Obtenez module énergétique. Vas-y, je prends. Ok. Ça sert à quoi? Les objets qui n'apparaissent pas dans le magasin de données. Okay. Ça c'est mon deck de cartes qui est là. Mon deck il est très bien, je le garde comme ça. Par contre, en point de compétence, j'en ai 7. 30% de mon niveau de boss. Je prends, évidemment. Vas-y, j'achète tout ça. Vas-y, on est bon. Oh, toutes les compétences qu'on a à gauche. Recevez une de 3 cartes constantes évoluées. Ah, c'est un combat d'élite. Non, j'ai un peu trop peur pour l'instant pour le combat d'élite. Je préfère me garder un peu de faire ça. Alors je vais faire ça déjà. On va faire ça. On va prendre un bouclier.
Je vais utiliser le bouclier pour leur faire perdre de la santé. Voilà, bah, c'est ce que j'ai utilisé. Et on attaque. Ok, et on réutilise. A chaque fois que j'utilise une carte bouclier, ça leur fait perdre de la santé maintenant. Ok. Ok. Donc, bouclier pour leur faire perdre un peu de santé et récupérer. Double attaque, j'ai pas en mode vampirique. 13 points de dégâts. Quoi? Ah putain, il a son espèce de gros bouclier lui. C'est l'autre que j'aurais dû attaquer. J'ai voulu être trop rapide. Je vais attaquer son pote. Ok, état vampirique, c'est fait. Je vais attaquer, je peux rien faire. C'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Vas-y, on va réutiliser. Non, je peux pas. Ah putain, j'aurais dû faire la bombe. Ah, c'est pas vu la bombe! Mais quel idiot! Aïe! Mais quel idiot! Quel idiot! Je fais n'importe quoi! C'est un calvaire, ils ont des boucliers de malade. Ok, merci, ça c'est fin. Parfait. Oh, c'est un calvaire. Écoute, hein. Elle vraiment devrait être bon pour le prochain tour. Retire l'armure tous les ennemis. Allez, c'est bon. Allez, ça dégage. Parfait. Bon. S'ils ont plus de valeur, évidemment. Évidemment. Bon, on en est où du boss? On a 3 sur 5. Capture super ultra, je vais faire ça. Je vais faire ça et je vais utiliser un des objets que j'ai en backup. Oh putain, ils sont en immunité. Vas-y. Ok. Bien. Allez, je fais ça, état vampirique. Ça c'est good. Ok, je fais ça deux fois, comme ça ils se prendront deux points de dégâts à chaque fois que j'utiliserai un bouclier. Ok, parfait, on est bon. Et en plus je récupère de la vie puisque je suis en état vampirique à chaque fois. Plus j'ai mon bouclier, donc on est bon. La carte qu'on a achetée est hyper importante, celle qui fait des dégâts à chaque fois qu'on récupère un bouclier, c'est hyper cool. On a un bon deck là. Même un excellent deck, j'ai envie de dire. Allez, ça dégage. Et bouclier. Ok. Bouclier. Récupérer des baisers, attaquer. On continue. Et on pioche les cartes. Ah, ça sert à rien. Tant pis. Bon. Oh, vas-y, je l'enchaîne.
Vas-y, on enchaîne, on enchaîne. Allez, normalement on a fini. Allez, salut. Et normalement je récupère un bonus en plus. 8 de dégâts perçants, recevez 20 d'or. Comment tu veux de pas prendre cette carte? Et là on est au boss. Non, pas encore. Maximum de mana plus 1. Ah, c'est ça, si. Ok, j'ai récupéré 10 de plus. Et notre personnage devient ultra blindé en plus. Alors. On va déjà commencer par le bouclier de lame. Évidemment. Monnaie de combat. Voilà, merci. Ensuite, on continue l'attaque. Bah vas-y, tu sais quoi? Vas-y, je suis fou, moi. Je suis fou, je me laisse à découvert. D'accord, ok, très bien. Très bien, vous êtes comme ça. Très bien, très bien, très bien. Allez, salut. Salut ceux qui débarquent, bienvenue. Bienvenue, bienvenue sur ce... On va arriver sur le troisième boss en plus du jeu. Par contre, attends. Qu'est-ce qu'on a dans le magasin de données? 'C'est quoi, je vais en acheter un quand même. Je vais l'acheter, je vais l'utiliser tout de suite. Parce que j'ai pas trop confiance. Allez, on va faire ça, on va faire les trois boucliers histoire de leur faire perdre un peu de santé. Chuchotement du diable. Ok, vas-y, je fais ça quand même. Ok, on est bon. Ah, ça fait ultra mal. Hein. Je garde mon dernier objet pour le boss. Par contre, j'aurais bien aimé récupérer un masque de vie. Ok, ça se dégage. Ça, je récupère. Vas-y. Ok, il a encore 51. J'ai aucun bouclier. Attends. Non, je regarde, je vais rester comme ça. Vita vampirique. Frappe puissante. Ah, je peux pas, merde. Merde, j'avais pas vu. Bon, je suis dans mon état vampirique, on va pouvoir récupérer de la santé à chaque fois qu'on l'attaque, c'est déjà ça. Tiens, regarde. Excellent. Parfait. Oh, le combo est parfait. Chuchotement du diable. Boum, je récupère ma santé en même temps. Je mets un petit bouclier et j'attaque. Ok, parfait. Notre santé remonte avec ça. Salut ceux qui débarquent. Mais moi, ça va très bien. Dites-moi tout. Mais moi, si je suis en stream, vous le savez, c'est que ça va. Toujours. Tiens, 13 de dégâts. Boum. Consommable. Attends, on connaît ça déjà. Consécration, je récupère. Je peux pas, et on va faire un bouclier. Ok, parfait. On est bien remonté en niveau vie parce que je rappelle que juste après, on a le troisième boss. Donc il faut absolument qu'on ait récupéré un max de santé. Donc on lui fasse un maximum de dégâts aussi, parce qu'on récupère la moitié en vie. Ok. Bah normalement il est mort. Ok. Bon. Ok, carte de la pile. Et 3 de dégâts à tous les ennemis pour chaque carte entrave. 5 d'armure, 1 de force. Vas-y, je prends ça. Allez, combat de boss. Et est-ce qu'on a de quoi acheter une compétence? Oui. État vampirique, c'est devenu vampirique actif. Vas-y, prends ça. Ok. Et magasin de données, vol de vie. Je prends ça. Allez, je prends le vol de vie, ça sera toujours utile. Et c'est parti, combat de boss.
Allez, troisième boss. On les enchaîne très bien là. 180 de vie. Mais t'as raison. Vas-y, je l'enchaîne direct parce qu'on va... Attends, j'ai aucun bouclier par contre. Je n'ai aucun bouclier, c'est terrible. Non. Ah si. Ok. Ah, il fait pas tant de dégâts que ça. Hein. Il fait 180 de vie, s'il te plaît. Très bien. Allez, salut. Monnaie de combat. Salut. Je récupère un peu. Là. Boum. Je lui fais deux fois. Vas-y. Ah, j'aurais dû faire le vol de vie. Ah bah allons-y, bien sûr. Double attaque vampire. Au départ. Ok. Allez. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Hein. J'ai l'impression. Alors déjà, on va faire ça. On fait ça. On fait ça. On récupère. Oh la vache. C'est une galère. Je vais me faire défoncer la tronche. Bon. Ok, parfait. On va récupérer, je peux rien faire. Gars, je peux rien faire. Ah, cette angoisse! Ah, heureusement que j'ai mon bouclier, putain! Putain, je leur fais des dégâts que comme ça en plus. Je suis obligé de me blinder en bouclier face à eux. C'est terrible. Sur Switch. Ouais, c'est qu'il a un putain de bouclier en face. Ok, parfait, on a essayé de sauter le bouclier. On y va. Je lui enlève un max de vie maintenant, je remets un bouclier. Vas-y. Aïe 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 aïe. On a de l'or. Attends. Attends, j'ai un peu d'or, on va aller voir ce qu'on a. Je vais réinitialiser le magasin. Dis-moi que je vais avoir des trucs cool, s'il te plaît. Alors déjà, il y a une grenade. J'achète la grenade. Gagner ta vampire, il fait récupérer 5 PV exclusif à Claire. Je prends. Immunité plus 5. J'ai plus d'argent. Attends, je peux aller acheter. J'achète. J'ai plus rien, j'ai plus d'or. J'ai plus d'or, mais de toute façon, autant utiliser les objets tout de suite. Vas-y. Ok, on est bon. Ok, et grenade. Ok, j'en ai buté un sur les deux. Ok. Ok. Allez. Oh la vache! Oh.
beaucoup trop de santé, je peux rien faire. Il a beaucoup trop de santé et à chaque fois il reprend 15 de bouclier. Il est revenu en mode normal. Allez, j'enchaîne. Attends. Ça, je garde. Ok, j'enchaîne. Vas-y, j'enchaîne. Non, c'est pas ça que je veux. Attends, mais sa transformation, c'est dans combien de temps? C'est 3 tours? Ok, c'est, il reste, il faut que je le bute dans les 2 tours qui viennent. Sinon, je suis dans la merde. Ah merde. Ok, je le remets dans son mode poulet. Ouverture de bonus, vous avez l'état vampirique. Je prends. Ok. Ok, je récupère de la vie en faisant ça. Ok, j'ai peut-être une possibilité de réussir. Allez. Il est encore. Il est dans son état. Il est dans son état poulet. Ok, je récupère de la vie, j'attaque. Ok. Bouclier. Normalement il perd 1. Ce combat de la mort. Ok, c'est plus que 2 tours. Oui. Oui. Ah, oh, putain, il me reste 9 PV s'il te plaît. Allez. Et c'est le dernier. Oh la vache! Il me reste 6 PV! Ah, le boss qui dégage! Ah, ça fait du bien ça! C'est la fin du voyage en train d'une nouvelle dimension, requiert la pierre inconnue et de l'énergie de l'univers transcendé. D'accord. Durée totale de combat 45 minutes, sauvegardé de la défi évidemment. Niveau 16 atteint, ennemi vaincu dans les combats normaux 30. Ok. Sauvegardé. Ouais, je sauvegarde le pack de défi, finalement. Sauvegarde, je sauvegarde, vas-y. Yes. Et j'ai déverrouillé des nouvelles cartes. Vas-y. Excellent. Et ben c'est la fin de ce premier voyage pour Neoverse sur Nintendo Switch qui est à 19,49€. Encore une fois. J'aime beaucoup. Alors c'est des runs comme ça que vous allez pouvoir faire pour débloquer des nouvelles cartes, pour débloquer des nouveaux trucs avec des personnages différents. Normalement on a accès au troisième héros, là, si je dis pas de bêtises, il est où? Voilà, on a accès au troisième héros maintenant, qui est là. Et pour pouvoir continuer... Attends, c'est quoi ça? Ah d'accord, je peux acheter directement de l'équipement de, depuis là avec les trophées. Et donc du coup, à chaque fois, on va recommencer des runs pour récupérer, pour continuer le voyage. Ah putain, il faut que j'aille jusqu'à 500 en fait. Relever le défi en entrant dans un univers plus hostile. Vous pouvez gagner plus de points pour vos meilleurs scores en traversant un univers plus hostile. Et bien écoutez, moi c'est vraiment un jeu très sympa. C'est pas un jeu sur lequel je passerai peut-être des dizaines et des dizaines d'heures. Mais en tout cas, là, ça fait quoi? Ça fait 1h15 qu'on est dessus. Et c'est très sympa, j'aime bien le principe. J'étais un peu perdu au début parce que je pense qu'il y a un temps d'adaptation pour comprendre comment fonctionnent les cartes, les bonus, les buffs, les combos d'attaque, etc. Mais déjà j'aime bien le chara design et surtout c'est très sympa en termes de gameplay. Donc moi c'est validé. Par contre encore une fois c'est 20€ quand même. Donc à voir si vous êtes fan du genre ou pas.